Hey, hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. J'étais en train de m'amuser à suivre Arthur, du moins son fantôme, qui est parti faire un footing. C'est très logique. Ça doit être le jour de l'amour! Et puis il va beaucoup trop vite pour moi celui-là. Attends-moi! Arthur! Arthur! Oups! Bon, bah tant pis. C'est le jour de l'amour et c'est super, on va pouvoir fêter ça tranquillement, aller au restaurant en amoureux. Simone est réveillée. Simone, elle va aller manger et elle va aller aux toilettes. Gisèle, elle va la même. Tiens, il est déjà là, lui. Casse les pieds. Majordome. Attribue une tâche. On va préparer un repas familial. Ça, tu feras à bouffer, tu seras utile. Est-ce que une petite fille, tu peux sonner la petite cloche? Ah, ça se voit que c'est une fille de Bourges, celle-là, moi je te le dis. Hein. Toi, ok. Tu vas faire tes petites affaires. Très bien. Il est 6h40 du matin. On est vendredi. Irène dort. Marcel dort. On a Albert qui dort aussi. Récupère un peu. Et elle est plutôt en forme aussi, donc c'est très bien. Même petit déj en famille, bah alors mange ton gâteau, tu t'es servi, Albert. Qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu travailles aujourd'hui, toi? Tu travailles. Ah, c'est chiant. Donc ça veut dire que on sera obligé d'attendre 20h pour aller au restaurant avec ta femme. Bon, et ben on fera ça comme ça, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mais. Il a été où, lui, dans la chambre pour mettre quelque chose à la poubelle? Qu'est-ce qui c'est qui, quoi? Vous êtes bizarre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais la vaisselle? Mais. Oh, mais c'est pas possible. Tu arrêtes, Albert. Arrête de faire des bêtises, déjà, ce serait pas mal. Puis t'as encore faim, en plus. Il y a un toilette à côté de toi. Et allez, des fringues et des fringues qui tombent dans le panier, là. Hein. Attention. Ça, c'est les filles qui vont à l'école. Et Simone va bientôt grandir. Ta 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 ta. Ça c'est bien. On l'attend tous avec impatience, voir à quoi elle ressemble et de passer à la décennie supérieure. Bon, il pleut peut-être, mais tu vas vendre. Ouah! Tu vas vendre ma petite Marguerite. Et tu vas encore bugger avec ton parapluie, j'imagine. Et il y a des trucs à faire évoluer. Faire évoluer. Alors qu'ils sont là depuis tellement longtemps, mais il faut encore les faire évoluer. C'est. D'accord, quoi. Ouh là là! Mais le temps se gâte, mon. Oh mon Dieu, il va y avoir des orages. Oh non! Mais non, c'était une belle journée aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas une météo mystérieuse? Ah si, bah voilà, bah je m'en doutais. Météo mystérieuse, bah on a eu du beau temps, puis un peu de pluie, et maintenant des orages. Non, non, viens là, tu vas te prendre à. Sinon, tu vas te prendre un éclair sur la tronche et ça serait dommage, je te perdrai à l'heure. Qu'il est sur le jour de l'amour, c'est Albert qui sera inconsolable. Hein. Franchement, rentre. Eh ben oui, du coup, ils sont tous tendus là. Albert, il commence à travailler dans 1 heure. Bon, il sera un peu. Voilà. Et pour être inspiré. Comment je fais pour être inspiré? Tu peux pianoter. Ton inspiration. Voilà, tu feras ça un petit peu avant d'aller taffer. On va viser un peu. La promotion, même si on en est loin, je pense. Alors, il est levé, Marcel? Non, qu'est-ce que tu veux faire? Le border. Mais il dort, laisse-le tranquille. Ouais, peut-être le réveiller aussi, hein, 13h quand même. Hein. C'est plus 1 heure pour dormir, Marcelouche. Hein. Tu. Voilà, ça y est, ça commence à péter dans tous les sens. Tu vas apprendre à aller au pot à ton fils. Qu'il fasse quelque chose de sa vie. Marcel! À l'huile! J'arrive pas! Ça y est! Ah. J'ai peur de l'orage! Vas-y, maman! Maman, je l'ai changée parce qu'elle était toute trempée. Hein, ça, oh, c'est pris la flotte. Hein. Lui, il va pianoter un peu. Faut que tu sois inspiré. Et les douches n'existant pas encore, mon petit. Faut que tu sois inspiré pour aller au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Mais! Marguerite! C'est pas possible, je t'ai dit. Tu t'occupes de ton gosse. Allez, tu te dépêches. Qu'est-ce
que tu es. Ah si, si si Marcel, si si. Oh là là! Tout le monde apprend à utiliser le pot. Maman! Tu casses les pieds, dis donc, sale gosse, va. Ah, ça y est, ton Dax aussi, là, ils sont dans des états, laisse tomber, quoi. À cause de l'orage et à cause d'un pot. Oh, mais ça n'arrête pas, hein. Fou là 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 là. Mais oui! Oh! Déjà! 15 h! Oh! Mais il est en retard. Va taffer. Ouais! En fait, je viens d'accrocher les décorations parce qu'on n'avait pas, on les avait pas encore faites hein, pour le jour de l'amour. Qu'est-ce que je fabrique? Voilà, ça c'est la maison un peu revisitée. Et Albert, il part au boulot très en retard. C'est une honte, franchement. Donc, on a Mireille qui est venue. Non, non, mais décroche pas, va au boulot. Ok, mais les filles rentrent vite, quoi. Non, c'est toi là. Oh là là, je sais plus. Viens ici. Voilà, Albert est parti bosser. Ok, bah toi, ça. Bah, faites vos devoirs. On est vendredi, ouais, mais comme ça, ce sera fait. Enfin, surtout les deux là, parce que de toute façon, Simone, elle va grandir, donc elle aura pas besoin de faire ses devoirs. C'est pas très très grave. Elles ont peur. C'est Mireille qui est là. Coucou Mireille. Injurier. Non, non, tu rentres. Bon, elle va pas tarder à devenir ado non plus, je pense, Mireille. Hein. Oh, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler. Déjà que son frère, il est beau gosse, alors bon. J'ai hâte, quoi. Oh, son truc, il s'est retourné. Allez, rentrez, les filles, là. Formation supplémentaire. Le patron d'Albert lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-il faire? Ben, on va faire la formation pour. Albert profite de cette formation offerte et peaufine ses compétences professionnelles nécessaires. Gain de performance moyen. J'ai oublié de le gérer, lui, dans son boulot. Ouais. Tu vas discuter avec les collègues. Non, ça va pas faire. Tu vas travailler dur. Ouais, on va le faire travailler dur. Comme ça, au moins, il y a plus de chances qu'il gagne. Des compétences et faire une jolie promotion parce qu'il est à quel stade? Il n'est pas très avancé, quoi. Ah, 5. Il est au stade 5. Bon, c'est déjà pas mal. Mireille est passablement très heureuse de jouer avec sa cousine, vous pouvez le voir. Elle est trop contente! Et l'autre, elle goûte encore, mais oui, franchement. Oh là là. Allez, un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Oh là là, c'est trop mignon! Bon, tu t'en occupes un peu, hein, va lui apprendre un peu à parler, parce que c'est vrai que c'est très très négligé pour l'instant la parentalité de cette génération. On les a pas trop, c'est pas trop occupé d'eux quoi les gosses, hein. On les a laissés grandir, mais c'est pas terrible, hein. Alors, Marcel, hein, une balle de baseball. Oh le look derrière, mon Dieu quoi, ça fait rêver. Oh, mais t'es rentré, Albert! Oh là là! Eh ben, va. Non, pas manger. Tu vas aller aux toilettes? Tu vas aller aux toilettes et tu vas te faire beau parce que tu vas aller en rancard avec ta femme. Voilà. Tu vas te refaire une beauté et elle, ben, la même, hein? Hein, cocotte? Voilà, vous vous activez un peu. Tu vas aller aux toilettes et. Où est-ce qu'il y a un autre miroir dans le coin? Je ne sais plus. Pas grave, tu vas te refaire une beauté aussi ici. C'est déjà pas mal. Bon, les filles, elles s'offrent des cadeaux entre elles, histoire de. Bon, c'est pas des fleurs, hein, mais ça reste un cadeau. Je suis pas sûre que ça valide. Mais bon, c'est pas très très grave. Au moins, ça augmente leur empathie. Bon, par contre, elles sont chiantes parce que elles sont malades, les deux, là. C'est relou. Donc, tu vas te faire une sieste aussi pour te reposer. Albert! Je t'avais demandé de te refaire une beauté. Ouais, je sais, ta femme est déjà devant. Mais c'est pas grave. Après, vous allez vous faire des mamours et caresser la joue. Murmurer suavement. Et vous allez aller à un rancard, n'est-ce pas? Parce que, bon, hein? Il faut quand même que vous vous activiez, les deux, là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'interaction entre vous deux, quand même. Non! Non, 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 on va pas faire de bébé. Non, 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 pas de bébé!
Non, pas de bébé, non! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 merde! Ah non, c'est bon! On a eu chaud! On a eu chaud! Oh là 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 là! Mais arrête de faire crac-crac toute seule dans le lit, toi! Ah non, 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 j'en ai déjà 4, je ne veux pas plus parce que là, ça va faire trop. Promettre de dédier un morceau, exprimer son affection, voilà. S'il vous plaît! Impossible. Et puis, amour, ta 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 ta, offrir un cadeau romantique. Se tenir par la main. Bon, faut qu'on aille en rancard, les amoureux, là. Je sais plus comment on fait pour aller en rancard. Ouais, oui, on peut pas. Hein. C'est pas via le téléphone, je vais proposer un rancard. Voilà, c'est ça. Allez. Marguerite. Tu veux venir en rancard avec moi? Eh oh, allô, chérie? Tu veux venir en rancard avec moi? Je sais pas trop. C'est n'importe quoi. Ok, alors je vous présente un nouveau bâtiment que j'ai téléchargé dans la galerie, qui est un bar à cocktail. Voilà, spécialement en 1920. Donc bon, je voulais aller à un restaurant, pas le même que la dernière fois, parce que je veux pas me faire toujours la même chose. Mais c'est une maison. What the fuck? C'est une maison, c'est pas un bar à cocktail. Elle est jolie. Par contre, elle est très jolie. Ah oui. Elle est très belle peinture. Alors, bon, bah, c'est pas là où je voulais aller. Puis alors, s'il n'y a pas de bar, comment on fait? Hein? C'est une maison, c'est pas un bar. Bon, tant pis, on va faire notre rancard ici. Hein. Au bout d'un moment, on a choisi ce lieu. Je suis déçu parce que c'est censé être un bar. Tu fais quoi? Discuter. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle aux plantes? Vas-y, tu vas tout arroser, tu vas en profiter. Tu vas te changer, tu vas te mettre une tenue un peu plus charming, hein? Je sais pas, voilà, tu peux mettre celle-là. Voilà. Tu vas offrir, essayer de séduire. Offrir un cadeau. Flirter avec votre rencard. Ça va pas être compliqué, hein. Embrasser. Murmurer suavement. Embrasser sous le gui. Dès qu'elle aura fini de arroser, hein. Qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est des buissons de mûres. Ah, d'accord. Ok, super. Ouais, c'est bon, arrête! Oh là là, draguer. Être désirable. Voilà. Prétendre éprouver un amour éternel. Dis donc, t'as grossi, Marguerite. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Elle a un joli petit diadème. Hein. Très mignon, qui va très bien avec sa tenue. Voilà, il y a déjà moins une chose de faite. Embrasser votre rencard, ça va pas être compliqué. Embrasser. Voilà. Ils sont tous les deux enjôleurs. Complimenter l'apparence. Embrasser les mains. S'asseoir et parler à votre rencard et faire un massage. Alors, nous allons. Bon, là, il y a du monde, mais tu vas t'asseoir et discuter ici. Allez, on s'active, les amours. Mais pourquoi il y a des gens tout nus? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Le rencard, très bizarre, quand même. Ah oui, bah, il commence à avoir faim. Bah, j'avais prévu d'aller au resto, hein. Alors, j'avais téléchargé un autre restaurant, mais il n'était pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, hein, on va pas non plus se poser 15 000 questions, tenter un rapprochement, taquiner pour flirter, et surtout faire un massage. Faire un massage. Demander un massage. Oh, ça reviendra au même. Voilà. Oh là là, quel look! Oh, le look! Entre les piercings et les fleurs dans les cheveux! Oh mon Dieu! Oh, la con... Monsieur, mais barrez-vous de là! Vous nous gâchez le rencard, c'est pas possible! Ouais, ils sont mignons quand même, non? Les amoureux, là.
C'est trop mignon tout ça. C'est trop, trop mignon. Bon, voilà. Le massage, c'est fait. Ah, mais c'est faire un massage. Oh, vous me cassez les pieds. Propose un massage. Allez, vas-y. Va proposer un massage à ta femme. Vas-y, 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 dépêche. Faire en sorte qu'ils deviennent joueurs en même temps. Bah oui, mais tu vas offrir un cadal. Tu vas offrir un cadal, un œuf décoré. Mais cassez-vous, madame! Ah! Tiens, un joli cadeau, ma chérie. Oh, c'est trop gentil, fallait pas. Oh, c'est un œuf. Oh oui, c'est super. Et tu vas offrir aussi un cadal. Un muflier. Ah, le jour de l'amour était horrible. Ah, il est déjà 2 h du matin. Horrible. Réussite. Ok. Bah, au moins pour quelqu'un, ça aurait été une réussite, hein. Mais on dirait qu'elle est en cloque. Attendez, quand même, hein. Ah mince. Cadeau non apprécié. Zut. C'est dommage. C'est dommage. Faire crac-crac, oui. Mais. Voilà. Tiens, elle lui donne des sous. On va rentrer. On a eu la médaille d'or, en tout cas. On va rentrer. On va terminer le rencard. Et on va rentrer à la maison. Allez, on est rentré à la maison. Ah, bah ouais, Albert, il a la dalle. Albert, tu as faim. Viens vite manger un truc. Et Marguerite aussi, parce que bon. On a un peu loupé le resto, hein. C'est dommage, mais voilà. Eux, ils sont en train de jouer. Oh, mais va aux toilettes, toi, sale mioche, punaise, c'est pas possible. Mais fais dans ta couche, écoute, moi j'en sais rien, mais vous allez dormir, les filles, là, il est l'heure. Allez, hop, il n'y a que Simone qui est bien. Lui, il fait ça dans sa couche, c'est très bien, ça le... Voilà, tu vas jouer. Tu vas jouer et tu vas... T'as trop peur de dormir dans un lit. Oh, tu me casses les pieds. Mais... Elle a un fucking problème, Marguerite. À chaque fois, à chaque épisode, elle fait pas ce que je lui demande. Ouh! Oh, good boy. C'est chaud entre les deux, hein. C'est chaud, 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 bouillant. T'as faim toi aussi, mais tu me... Mais il n'y a plus rien à manger? Il faut demander à l'autre gland, là, de faire quelque chose, hein. Et le gamin? Le gamin, il peut lui faire sonner les trucs aussi. Non, non, on va lui demander de faire à bouffer, et ça va bien. Attribuer une tâche, repas familial. Allez, dépêche-toi. Pour que notre fils puisse manger à sa faim. Bon, allez, vous allez faire crac-crac. Parce que je vous rappelle qu'on peut alterner entre faire un bébé et faire crac-crac. Et la dernière fois que je leur ai fait faire crac-crac, c'était pour faire Marcel. Donc vous imaginez que ça fait un bout de temps. Sauf tout à l'heure quand j'ai mis ce clic avec le faire bébé. Mais je pense pas que ça a été jusqu'au bout. Hein. Tiens, tu vas arrêter de manger. Parce qu'elle a pas les flèches. Donc ils ont vraiment. Ça a été avorté avant qu'Albert rentre dans le. Hein. Ça, voilà, ça leur a coupé la chic. Donc c'est parfait. On n'aura pas d'autres enfants. Là, ce serait beaucoup. Mais non, j'ai dit faire crac-crac. Oh là là, mais Albert, tu me casses les pieds aussi, hein. Allez, faire crac-crac avec Marguerite. Là, le jour de l'amour, il faut qu'il se conclue bien, hein, quand même. Que vous fassiez quelque chose d'intéressant. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, hein. Devant lui et tout, là. Et tiens, Marcel, là, viens manger. Viens manger, mon petit. Allez, hop. Au charbon, les enfants. Allez, plus vite que ça. Et là, pas de danger. Hein, le crac-crac fonctionne. Il n'y aura pas d'enfant après cette petite séance. Donc, c'est parfait. Bon, c'est sous cette jolie petite vapeur et feu d'artifice, ah, quand même, hein, que moi je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, hein, avec toutes les conneries qui a pu en résulter. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!